Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque nous allons faire un unboxing. Unboxing c'est quoi? C'est j'ai une boîte que j'ai reçue par la poste et je vais l'ouvrir devant vos yeux ébahis avec mon experte en ouverture de boîte. Bien sûr, la plus grande ouvreuse de boîte du monde. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Alors, vous ne le savez peut-être pas. Si vous ne le savez pas, eh bien il est temps que vous vous renseigniez. Mais je suis un fan incommensurable du jeu de rôle Mage d'Ascension. Donc jeu de rôle, quand j'entends jeu de rôle, c'est sur la table, pas jeu de rôle jeu vidéo, des vrais jeux de rôle à l'ancienne. Oui, je suis un vieux. Et donc, ce jeu de rôle a 22 ans maintenant, est sorti il y a 22 ans. Et donc en fait, pour les 20 ans, ils ont lancé un Kickstarter pour faire une édition 20e anniversaire. Et donc, bah, le temps que le Kickstarter se fasse et débouche, nous voici donc 2 ans plus tard avec le bilan, l'édition collector de Mage l'Ascension 20e anniversaire. Alors, on va tout de suite voir ce que ça donne. C'est moi. Hop. Alors, nous allons ouvrir la boîte. J'espère que mon cutter est assez costaud. J'ai un tout petit cutter, la boîte est grosse. Attention que je te coupe pas. Je ne vais rien couper d'important. Hop. Hop. Alors, attends, on va faire dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. On range le cutter et attends, ça comme ceci. Et comme cela, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons dans notre boîte de 20e anniversaire? C'est une grosse boîte encore. Dans la boîte, il y a une autre boîte. Oh non. C'est pas possible. Oh, c'est... Alors, vas-y, enlève l'autre gros carton, enlève le. Hop. Voilà. On enlève là. Ouais. Tac. Donc dans notre boîte, nous avons une autre boîte, donc c'est du FedEx. C'est eux qui nous l'ont envoyé. Alors d'ailleurs, merci FedEx de m'avoir envoyé le colis chez le voisin. J'aurais préféré qu'ils le mettent chez moi, mais bon, ça c'est pas grave. Hop là. Donc alors, comment ça s'ouvre? Comment ça s'ouvre? On tire comme ça. C'est difficile, papa. Ouais, c'est pas facile du tout. C'est compliqué d'avoir notre édition 20e anniversaire. Hein. Ah, c'est pas collé. Là. Là. Non. Ah non, regarde là. Tirer pour ouvrir. C'est là. C'est quoi les deux barreaux gênés? Hop là. Voilà. Alors, on ouvre ici. Comme ceci. Et ça va s'ouvrir sur le côté. Par là. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Oh là, c'est bien emballé. Alors, attention, faut pas l'abîmer. Extrêmement collector. Hop là. Donc, ouais. Alors, attends. Dans la boîte, nous avons encore un emballage. Ça, on peut pas dire. On peut pas dire c'est bien emballé. Alors, si on déplie comme ça. Comment c'est fait? C'est enroulé. Ah, on déroule. Eh bien, je sais pas ce que c'est. C'est une espèce de... C'est pas du papier bulle, on va pas pouvoir buller. Une espèce de carton très découpé, c'est bizarre. Treillis militaire à moitié. Alors pour info, le paquet, enfin non, pas le paquet, ce qu'il y a dedans, fait presque 4 kg, je crois. 3,5 kg, un truc comme ça. Papa. Hop, allez, sinon on tourne, on va pas en voir le bout. Ça va nous prendre toute la place. Est-ce qu'on arrive au bout? Pas encore. Ah si, ça change de sens. Alors, qu'est-ce que ça vient, ça? Ouais, ça va arriver. Hop. Encore. On n'est pas rendu, on est encore. Mais je crois qu'on arrive au bout. Alors, on va le tourner comme ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, il y en a beaucoup, papa. Ah, c'est enroulé dans l'autre sens. Et bien, disons, au moins, il n'y a pas intérêt à ce qu'il y a dedans soit abîmé. Hein, parce que, vu comment c'est bien emballé,
On peut quoi dire là-dessus, le boulot est impeccable. Ah, on arrive au le papier. Je vais... Alors, qu'est-ce que nous avons là? Eh bien, nous avons... Ah. Et voici le... Attends, vache, que je montre à la caméra. Attends, je montre à la caméra. Et voici donc le bouquin de Mage, 20e anniversaire. Alors, je ne sais pas si vous voyez... Hop là, attendez, là, pas grand-chose. Normalement, ouais, voilà. On ne voit pas très bien, mais... En fait, l'image qu'il y a dessus... Parce que c'est de la magie, elle change. En fait, quand je penche, vous n'allez pas le voir. Ah non, on ne va pas le voir à la caméra, c'est pas évident. En fait, il y a des flammes. Là, on commence à les voir. Vous voyez, en fait, là, la carte, elle est entière, elle est bien, pour mon écran, mais là, on voit bien la carte de tarot. Et en fait, quand on tourne comme ça, hop, on voit des flammes. Elles brûlent. Bon, là, vous ne voyez plus rien, mais nous, on le voit bien. En fait, le tarot, il finit par brûler. Complètement. Et donc, ceci est l'édition. Hop là, 20e anniversaire de Mage. Alors, c'est un bouquin énormissime. Voilà. Je sais plus combien de 1000 pages. J'ai pas le chiffre en tête. Il va falloir que je l'ouvre pour regarder. Donc, on a un petit truc en relief. Hop là, ici. Hop là, il y a un petit médaillon en relief. Là, il y a la tranche, donc Mage 20e anniversaire. Attends. Voilà, attention, la bimba. Ensuite, nous avons donc des coutures, hein, c'est du mini-cuir en fait, et la tranche est dorée. Alors, on va l'ouvrir quand même. Hein, on va enlever l'emballage. Et j'espère que c'est le bien cadeau de mon père. Et hop. Attention pour la lumière. Il est doux maintenant. Oh, attends, je vais le tenir. Attention. Hop, hop, lâche. Hop. Alors, et voilà. Que c'est donc, c'est une espèce de. Oui, c'est du. Je ne sais plus comment on appelle ça, du sky ou je ne sais quoi, c'est une espèce de cuir. En fait, c'est pas une feuille. C'est, non, c'est une carte de tarot qui est dessus, en fait. Alors, hop là, on le revoit un petit peu mieux, peut-être. Donc, Mage, l'Ascension, 20e anniversaire, édition collector Mega Plus Plus, je sais plus comment ils l'ont appelé, mais c'est l'édition top momo de collector, tranche dorée. Et alors, si vous ne l'avez pas vu encore à l'intérieur, je vous avais montré des images sur le net, mais si vous n'avez pas encore vu les magnifiques images à l'intérieur, je t'en trouve une. J'ouvre, on va essayer de trouver une belle illustration qui apparaît ici. Hop. Hop. On va la montrer à la caméra, le livre pèse une tonne. Voilà. Hop. Voilà. Oh, je sais pas si on voit très bien parce que sur la caméra c'est pas facile, mais le livre est magnifique. Il est tout en couleur. Il est donc doré sur la tranche. Il a des superbes illustrations. Oups, là, je suis très mauvais en cadrage d'image. Moi j'ai même pas vu. Ah, et puis bah, j'ai oublié. Hop là. Alors, on va voir. On voit, tac, un petit rappel au premier écran, l'écran première édition, ça, en fait. C'est un petit rappel sympa. T'as pas vu? Ben, je te montre. Hop, voilà. Ça, en fait, je l'ai, d'ailleurs, cet écran-là. C'est l'écran de Mage première édition. Et donc, attention, plie pas les pages, parce que sinon, on va te taper. Et on a donc ce superbe livre dans la boîte. Et puis, ben, c'est tout. C'est tout. Donc, je vais sûrement avoir un autre colis parce que normalement, eh bien, il devrait y avoir autre chose avec. Mais je ne l'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Donc, pour cette vidéo, bah, ce sera tout. Et puis, bah, il y aura sûrement un deuxième épisode avec le reste du colis. Et sur ce, je vous dis bonne soirée. Ciao.